Bon, on commence. Merci tout le monde pour être ici. Surtout, merci aussi à la galerie EOF, Serge et Kiko, pour m'offrir cette possibilité de vous présenter mon livre. Et les collègues qui ont accepté d'être ici avec moi dans cette présentation, Bernard Vincent et Jean-Frédéric Chaud, auxquels je vous reviens depuis que je suis venu à Paris il y a vraiment longtemps. Et qui ont toujours reçu très, très très bien tous les collègues, tous les amis, les gens que je ne connais pas et tous les gens qui sont vous êtes venus aujourd'hui, un mardi, hein, après-midi, pour écouter quelques paroles sur ce livre, qu'on va être bref, j'espère bien, après on aura un petit verre de vin, et j'espère bien, peut-être que ce serait bien mieux de faire une espèce de petit dialogue, si vous voulez nous interrompre, on va parler, plus ou moins je vais être bref, un peu faire une petite présentation du livre. Ce livre qui vient d'apparaître à Fondo de Cultura Economico, hein, vous avez quelques exemplaires une éditoriale, une maison éditrice, une maison éditrice que pour les Espagnols, pour certains Espagnols, surtout pour ceux qui ont une famille républicaine, et le titre a une importance vraiment. C'est un espace de liberté qui avait même où on pouvait éditer ou quelques idées circuler. En plus, était né au fond de l'exil espagnol, de l'exil républicain, au collège de Colegio de México. C'est une éditoriale que vraiment pour tous nous, c'est très important. Et un espace de. Alors, je suis vraiment très heureux de pouvoir publier ici ce résultat, surtout parce qu'il y a une diffusion très grande dans le monde latino-américain. Et je commence ici une des premières critiques à mon propre livre, le livre que j'ai édité, qui est vraiment peut-être, c'est un peu étrange, étant publié en forme de culture économique. Il y avait ici beaucoup d'américanistes, c'est souvent que Jean-Frédéric n'aime pas beaucoup, regrettant qu'il y a une petite absence de l'Amérique dans le livre. Il y a des références croisées, il y a des mentions un peu à l'intérieur de la monarchie espagnole, d'accord, de la monarchie hispanique, mais il n'y a même pas un chapitre, j'ai pensé beaucoup à ça, il y a peut-être pour les futurs, donc c'est un peu une élément qui manque. Mais important, c'est dire pour cette présentation, pour ce livre, pour l'idée de ce livre, pour la publication, et par la façon, il y a d'arriver maintenant du Mexique, où il a été avec José Javier Vivañez, qui est la personne qui a aidé cette espèce de réseau qui s'appelle Réseau Columnaria, qui est associé à cette publication. On publie beaucoup de livres à l'intérieur de cette collection du Réseau Columnaria. C'est un réseau, c'est une espèce d'idée qu'on a eue un peu en Espagne, en pleine période de coupage de l'économie, de pas investissement dans la recherche. On doit un peu inventer, on doit idéer des stratégies pour pouvoir organiser des choses. Il y a des différents groupes, des différents groupes de recherche. On s'unit, on se réseau et on collabore entre nous. Et vraiment, c'était une idée libérée par Oscar Zubane, aussi par Gaetano Sabatini et par Pedro Cardini, qui vraiment a commencé par l'analyse des frontières de la monarchie espagnole. Et après, c'était une espèce de dialogue avec beaucoup d'historiographie européenne et aussi américaine, et une espèce de participation, de collaboration entre différents groupes de recherche. Un de ces groupes de recherche, c'était le mien, un groupe de recherche de 11 à 15 chercheurs américains et européens, que nous nous sommes unis pour réfléchir sur le cas des républiques et du républicanisme dans l'Europe moderne. Et c'était un projet qui vraiment a eu différentes réunions à Florence, deux à Séville, une à Naples. Finalement, on a produit ce bouquin, on n'a pas choisi toutes les interventions, on a vraiment réfléchi beaucoup sur la structure et sur les débats qui nous intéressaient. C'est donc un ouvrage collectif, fruit de ce projet de recherche, mais un projet de recherche qui a vraiment des différentes perspectives historiographiques, de différentes traditions aussi historiographiques, je suppose que vous l'avez vu, mais surtout qui s'intéresse tout de même à réfléchir sur les républiques dans l'âge moderne d'une perspective que normalement n'a pas été la prédominante. Parce que normalement, quand on analyse le cas des républiques, on prend les républiques pour une espèce d'élément exotique, pour ce monde de cour, ce monde de prince,
Chamilly qui connaît bien ce monde des princes, cette Europe dynastique, et normalement c'est une espèce d'agent, d'élément secondaire qui n'est pas très important, ou d'une autre partie, la plus classique surtout dans la historiographie de la pensée politique anglaise, les coins de Cambridge, ces couples de républicanisme avec une espèce d'alternatif modernisatrice. C'est la modernité avant la lettre, c'est une espèce d'exotisme aussi, maintenant même l'origine de l'héritage commun de cette Europe un peu fédérale, de cette Europe de société de marché, de cette Europe de la tolérance, de cette Europe du parlementarisme, donc d'un modèle qui serait complètement opposé au modèle dynastique en lutte perpétuelle avec eux. Donc c'est perspective pour nous qui avons réfléchi, pour moi ma tradition, moi j'avais réfléchi beaucoup sur les rapports entre la monarchie espagnole et les Hollandais, après j'ai commencé à réfléchir entre les cas de l'Hollande, après j'ai passé à analyser le rapport de cette structure monarchique si complexe avec une autre république qui était la République de Gênes, j'ai commencé à me rendre compte que le cas, au moins les cas que nous étudions, ne répondait pas du tout à ce cadre d'opposition ou d'altérité, c'était plutôt une espèce d'interrelation très forte, des éléments de convergence, d'articulation, une espèce d'histoire coordonnée, d'histoire très, très forte. Et tout ça nous a fait donc nous projeter à réfléchir surtout sur les différents modèles d'État, et une chose qui est vraiment peut-être nous intéresse aujourd'hui en tant qu'Européens, les différents modèles d'État, une réflexion. Qu'il n'y avait pas une unique forme d'articulation ou de création de l'État, et qu'il n'y avait pas simplement une opposition entre république ou monarchie, ou qu'il n'y avait pas une opposition entre parlementarisme et absolutisme, il y avait peut-être plutôt une espèce de différentes formes d'organisation politique en Europe, des structures, disons, plus d'une souveraineté plus partagée, d'une souveraineté plus complexe, plus diffusée, et par contre des modèles qui s'articulaient à partir du XVIe, XVIIe siècle, comme la France ou peut-être comme l'Angleterre, vers une structure de souveraineté un peu plus pleine. Et c'est dans ce domaine des modèles de souveraineté partagée, de modèles de souveraineté polycentrique, qui étaient les prédominants, surtout dans les espaces les plus urbanisés du continent. Et c'est cette réflexion, justement, sur l'importance des villes, sur l'importance des cités dans ces espaces politiques et le rôle essentiel de ces villes, qui nous a fait comprendre que peut-être la République n'était pas simplement limitée au cas de Venise, de Gênes, ou des provinces unies, ou des provinces suisses, et il y avait des républiques de partout. Il y avait des républiques qui n'existaient pas, et qu'on essaye de donner un peu de voix dans ce texte. Il y avait des villes anciennes dans lesquelles les souverainetés étaient complètement partagées. Il y avait les cantons suisses, mais il y avait aussi des républiques, un peu des monarchies électives républicaines, comme la Transylvanie, dans laquelle on réfléchit, Felicia Ross, ou la monarchie polonaise, que tout le monde connaissait. Mais aussi, par exemple, il y avait la monarchie hispanique. C'est un des éléments centraux de notre analyse, c'est de comprendre cette espèce de structure politique, la monarchie hispanique, comme une structure pas simplement polycentrique, c'est un élément qui nous intéresse, avec beaucoup de centres urbains, mais une monarchie de république urbaine, une monarchie articulée autour des villes, une monarchie dans laquelle vraiment la pertinence à la communauté se produisait à travers des villes. Une chose qui peut-être n'est pas tellement dite des analyses du républicanisme de France, comme du républicanisme alternatif, mais après on a fait une structure analysant les première partie plus conceptuelle, avec un texte de Thomas Mason dans ce sens, et après une analyse, une histoire croisée entre les républiques et les systèmes impériaux. Vous voyez une espèce d'interrelation très forte entre la monarchie de Gênes ou les Hollandais, ou aussi entre Venise et l'Empire ottoman, qui était aussi un empire plein de villes, un empire dans le rôle de l'unité essentiel. Une troisième partie, c'était sur le rôle de la diplomatie, de la neutralité, un moment essentiel dans ce genre de structure politique. L'autre partie sur la religion, comprendre que vraiment cette espèce de tolérance, des dialogues était assez important, et un élément essentiel et fondamental, c'était la partie économique, des réseaux économiques, comment ces républiques, ces réseaux urbains s'articulaient surtout en des processus qui n'étaient pas du tout protectionnistes, qui étaient dans lesquels, dans ces structures, le mercantilisme, les politiques protectionnistes n'étaient pas possibles. De la monarchie hispanique, dans laquelle ce n'était pas possible de profiter d'un territoire sur l'autre, et en analysant le rôle essentiellement de connecteur de ces marchands, de ces financiers qui faisaient fonctionner ces structures. Donc, c'est simplement comme ça, ouvrir un peu la géographie. Et de ma part, je crois que c'est les objectifs essentiels du livre, ce sont là. Peut-être après pour le débat, vous faites des questions, je crois que peut-être maintenant c'est mieux écouter la réflexion des gens qui ont lu le livre et une perspective qui n'est pas. Bien.
merci et je présente des excuses à l'ensemble des présents puisque le retard m'est imputable. Ce livre, Manuel Herrero a bien résumé en somme ce qu'il représente. Je vais insister sur quelques-uns des aspects qu'il a déjà avancés et puis j'entrerai un peu plus dans les détails. Donc, ce livre est effectivement l'un des produits d'un réseau de recherche extrêmement étendu, étendu sur plusieurs continents, qui a en somme un lien extrêmement fort avec le Fondo de Cultura Económica, qui est cette grande maison d'édition, comme Manuel, installée à Mexico, mais ayant des sièges secondaires ailleurs, je ne sais pas, à Buenos Aires ou à Madrid, par exemple, et qui, donc, depuis fort longtemps, fait un travail considérable. Je me permettrai de rappeler que, par exemple, c'est le Fondo de Cultura Económica qui a publié la thèse de Marcel Bataillon, pour la première fois en espagnol. Ont été édités une série d'ouvrages, et vous trouverez 9 ouvrages dans la page de couverture, dans la page intérieure de ce volume, qui émane des différents groupes, que l'on appelle l'ODOS, des différents groupes de ce réseau colonarial qui accomplit un travail absolument considérable. L'objectif du réseau, c'est bien de travailler sur l'histoire moderne et contemporaine, en somme sur l'histoire ibérique, sur les histoires ibériques, dirais-je. Depuis le XVIe siècle jusqu'à aujourd'hui, avec un accent quand même assez marqué sur la période moderne, dans la mesure où de très nombreux membres, mais pas exclusivement, de très nombreux membres du réseau sont des spécialistes d'histoire moderne. La monarchie portugaise et la monarchie espagnole sont donc au cœur des réflexions, au cœur des travaux, et ce livre, Republica y Republicanismo, donc République et Républicanisme dans l'Europe moderne, 16e ou 18e siècle, s'inscrit bien dans cette perspective globale. Manuel, en somme, l'a aussi dit, quand il a conçu cet ouvrage, tu me diras si tu es d'accord, il a quand même pensé à la monarchie hispanique comme axe de cet ensemble. Alors, maintenant, dans le titre, il est indiqué dans l'Europe moderne. Ce qui est extrêmement intéressant, parce que donc, la monarchie hispanique, qu'est-ce que c'est ? Bon, tu viens de dire, c'est un monde où les républiques urbaines comptent, particulièrement, proposition enfin, forte, qui mérite discussion, ça y reviendra peut-être. Mais si la monarchie hispanique est un agglomérat, en somme, de républiques urbaines, il est certain que cette configuration, celle des républiques, a eu, comme tu l'as rappelé, une histoire longue qui a été avancée comme étant, en somme, l'autre face de la constitution d'État par rapport à la monarchie. Donc, une espèce d'opposition entre monarchie et république. Et le livre, qui donc s'intéresse à ces dernières, veut montrer que celles-ci ont occupé d'abord un espace plus vaste que qu'on l'a dit dans le monde européen. Tu l'as aussi rappelé, bon, il y a les cas classiques, Venise,
gênent les Pays-Bas, bon, il y en a d'autres, tu en viens même, c'est dans ton introduction, ta longue introduction, à parler d'origine mixte. Bon, la Transylvanie serait l'un d'eux. Bon. Qui emprunterait en quelque sorte aux deux pôles dont il est question par ailleurs. Alors, il est certain, et ça me semble un acquis de cet ouvrage, c'est intéressant à plusieurs titres parce que les républiques ne constituent pas en Europe un pôle binaire. En somme, le grand pôle, ce serait celui des monarchies françaises, anglaises, enfin, si l'on veut l'espagnol. Bon, on sait bien que c'est en débat, dans sa forme, dans ses formes. Mais les républiques seraient donc des petits isolats au sein de l'Europe. Alors, donc il est montré dans l'ouvrage que c'est plus complexe que cela, que d'abord que les républiques sont plus nombreuses que souvent on le dit, qu'il y aurait des États qui emprunteraient au modèle républicain, entre guillemets, pas mal d'éléments, que les monarchies elles-mêmes, accompagnées par la monarchie hispanique, donc emprunteraient beaucoup au modèle républicain. Alors, de cette manière, le thème s'impose. C'est intéressant. C'est d'autant plus intéressant si l'on se situe par rapport au courant dominant de la recherche sur la monarchie hispanique en général. Il est évident, ça tu ne l'as pas dit encore, il est évident que quand on avance un projet comme celui-ci, et que l'on publie un ouvrage comme celui-ci, on pense à toute une série de travaux qui ont cours depuis maintenant, quasiment 30 ans, en particulier en Espagne, il y a tout un groupe cohérent, on peut bien dire, et assez puissant, qui travaille sur la cour principalement, qui fait beaucoup de prosopographie, qui étudie les conseils des uns après les autres, et qui, à travers ces travaux, qui sont des travaux tout à fait respectables, cette équipe nombreuse accomplit un travail vraiment extrêmement utile et intéressant, qui essaie de montrer que, en somme, tout part de Madrid et tout arrive à Madrid. Bon, je force un peu le trait, mais à peine. Alors, il est certain que le réseau Columnaria s'inscrit tout à fait en faux par rapport à cette vision. Et Manuel l'a implicitement dit, puisque tu as employé, si je ne me trompe, deux fois dans ta présentation, le terme de polycentrisme, qui fait référence à un ouvrage qui a été publié en anglais, en somme, par le groupe, et auquel vous avez contribué tous les deux. Donc, il y a là une position vraiment aussi très forte, celle de considérer la monarchie hispanique comme une configuration au sein de laquelle il y avait de nombreux centres, des centres américains, des centres européens, etc. Et que tout n'était pas décidé à Madrid, loin de là. Donc, quand, bien entendu, on s'intéresse aux républiques dans l'ensemble européen, c'est plus qu'un clin d'œil, cela veut dire que la monarchie hispanique donc, emprunte toute une série de formes, toute une série de traits, toute une série de concepts, on pourrait tout dire. Au modèle républicain, si je peux l'appeler ainsi. Et je crois que, de ce point de vue, l'ouvrage est un ouvrage convaincant, parce que il est bien montré à travers divers apports à quel point ces républiques
a priori modestes, ne le sont pas tellement, et qu'elles ont joué sur la scène internationale un rôle absolument considérable dans leur pratique, par exemple commerciale, quant à l'information, etc. C'est en particulier dans la dernière partie. Il y a là toute une série d'exemples qui me semblent vraiment, qui méritent l'attention, qui montrent à quel point les pratiques de ces républiques, que ce soit la République chinoise, la République vénitienne, bien entendu, mais donc ces régimes comme celui de la Transylvanie, dont j'avoue je connaissais assez peu de choses, ou la Pologne, ont eu des pratiques qui ont été finalement reprises par des États qui étaient a priori très différents, et donc il y a une circulation des pratiques qui est bien mise en exergue tout au long du volume. Alors, il est évident, et on retrouve le terme cette fois-ci dans ta conclusion, il s'agit de... Je vais employer des termes un peu barbares, il s'agissait de dénationaliser en quelque sorte l'approche et de la désensialiser, s'écarter des préjugés, des stéréotypes qui pèsent en somme sur l'organisation politique et les formes de gouvernement et de pratique de différents États européens, je crois que le livre va susciter beaucoup de débats, mais j'imagine que tu t'y attendais et que tu as eu quelques propositions même un peu provocatrices à cet égard, et pourquoi pas, c'est ainsi que l'on avance, mais il me semble que il faudrait revenir en quelque sorte à des textes fondateurs, et en lisant, je pensais à l'esprit des lois de Montesquieu. Montesquieu nous expliquait bien qu'il y avait en somme une typologie de gouvernement, et en quelque sorte cet ouvrage rappelle qu'il existe cette typologie. République, monarchie, despotisme, disait Montesquieu, qui se caractérisait par une nature et un principe différent. Il établissait sa typologie sur la nature et le principe. Mais Montesquieu, et là je reprends, et je l'ai apporté à dessein, un petit livre qui est pour moi, qui a été un livre fondamental dans ma formation d'historien, que je continue à pratiquer jusqu'à aujourd'hui, qui est le petit livre de Denis Richer, « La France moderne, l'esprit des institutions ». L'entreprise m'a rappelé ce qu'était l'enseignement de Denis Richer il y a 50 ans ou plus. Et la question de l'évolution donc de ces régimes est au cœur de ce travail. Et vous montrez bien les uns et les autres à quel point il y a une sorte de plasticité des gouvernements qui fait qu'ils sont susceptibles d'emprunter à un moment ou un autre, à d'autres, pour évoluer. Et je crois que ça, ceci, c'est vraiment l'une des leçons fondamentales. Maintenant, Manuel Herrero est le directeur de cet ouvrage, mais quand on connaît Manuel et qu'on a lu son introduction et son chapitre, on s'aperçoit qu'il est à la fois le directeur et probablement l'un des principaux acteurs de ce volume. Donc c'est bien un travail collectif, mais qui a été conduit sous la houlette de quelqu'un qui a conduit l'ensemble de l'équipe dans une direction assez précise, que Bernard Vincent vient de rappeler. Alors, je voudrais rebondir sur ce que disait Bernard à l'instant. Oui, nous sommes, c'est bien un problème,
nous sommes des enfants de Montesquieu. C'est-à-dire que, à partir de la diffusion des Lumières françaises et de l'historiographie qui en découle, s'inscrit dans l'esprit l'idée d'une opposition de nature entre la République et la monarchie, distinction de nature qui n'aurait rien eu de clair ni d'évident pour les acteurs européens antérieurs à Montesquieu. Puisque, au fond, Respublica signifie, désigne, ce mot signifie simplement que dans la société, il y a des formes d'autorité qui circulent et qui organisent la société au-delà des formes naturelles de l'autorité que sont l'autorité du père de famille et celui du seigneur. Or, il se trouve que dans les territoires et dans les populations circulent des formes d'autorité qui ne relèvent d'aucune de ces deux polarités, mais d'un niveau ou d'une échelle qui est une échelle supérieure. Et la Respublica dit exactement cela. Et si la Respublica dit cela, c'est-à-dire qu'il y a de l'autorité au-delà de l'échelle familiale et seigneuriale, la nature du régime de la République, ou les natures des régimes républicains, peuvent être extraordinairement différentes. Et à dire vrai, l'on pourrait dire, sans jouer sur les mots, que les royaumes dont Bernard vient de parler, la France, l'Angleterre, la Castille, ce sont des républiques monarchiques et dynastiques. Et que les confédérations, comme la Confédération helvétique, ou les villes-États dont Manuel a parlé il y a un instant, ce sont des républiques oligarchiques et électives. Mais ce sont toutes des républiques. Et la question qui est posée par le livre, c'est comment est-ce que nous allons rebrousser le chemin qui nous a été imposé depuis le siècle des Lumières, et a fortiori depuis la fondation des catégories ordinaires de la science politique contemporaine, qui sont toutes les enfants, elles, non pas de Montesquieu, mais de la Révolution française, ou plutôt des révolutions libérales. Et d'un certain point de vue, quand j'ai abordé le livre de Manuel, je me suis dit, selon le célèbre slogan publicitaire, j'en ai rêvé, Manuel l'a fait. J'entends par là que l'idée selon laquelle il n'y avait aucune raison absolument décisive de reconnaître à l'histoire de l'Italie le schéma que nous acceptons sans aucun problème de penser l'histoire de l'Italie près de Risorgimento. Une Italie non unie est un objet absolument ordinaire de notre réflexion. En revanche, l'idée selon laquelle cette chose, si ancrée dans la mémoire monarchique qu'est l'Espagne, puisse également se penser comme la confédération de villes qui étaient profondément auto-centrées, comme la ville de Lisbonne, la ville de Séville, la ville de Barcelone, pour prendre trois exemples, la ville de Valence, et d'autres exemples de ça. Au fond, nous étions nombreux, parmi les modernistes qui nous intéressions à l'histoire de la monarchie espagnole et de la monarchie portugaise, à avoir l'intuition qu'il y avait deux discours à tenir, ou deux grilles d'analyse à propos de la monarchie hispanique. Celle, bien sûr, d'un royaume fondé sur des principes monarchiques et dynastiques, mais en même temps d'un système qui reposait sur des confédérations de villes dont la puissance économique, dont l'autorité inscrite dans des symboles, dans la capacité à produire des discours sur elle-même, de célébration d'elle-même, de mise en cérémonie de leur puissance naturelle ou de leur origine mythologique, etc., n'avait rien à envier avec les mythologies que se construisaient les familles dynastiques partout en Europe. Et de ce point de vue, je veux dire que voilà, le livre de Manuel apporte quelque chose de tout à fait important. En quelque sorte, nous avions avancé, je dirais, nous, très au-delà des gens qui sont proches de toi, je pense qu'il y avait, au fond, il y a trois grands fronts sur lesquels les choses ont beaucoup bougé depuis quelques années. Bon, premièrement, et ceci n'est pas récent, depuis
disons, un quart de siècle, il existe un débat fort qui s'est, dans la vigueur, s'est un petit peu émoussé, par fatigue des combattants, ce qui est normal, ou par conviction réciproque, qui a été, disons, la critique frontale très brutale que les historiens du droit italien, portugais et espagnol ont conduite contre le récit traditionnel de l'histoire de la formation de l'État moderne dans sa forme monarchique et qui était présent dans la pédagogie aussi bien secondaire que universitaire de l'histoire monarchique, pour, en tout cas pour ce qui concernait les deux péninsules, l'italienne et l'ibérique. Cette critique très frontale du discours traditionnel sur la montée de l'État moderne à la fin du Moyen Âge reposait sur la démonstration que l'autorité royale n'a jamais disposé, ni même, à dire vrai, prétendu disposer du monopole de production du droit et de l'arbitrage au sein des sociétés, pour des raisons que je ne vais pas réexpliquer ici, mais simplement pas de monopole du droit entre les mains. Le roi absolu ne signifie pas du tout le roi au-dessus du roi. Le roi absolu signifie le roi qui peut s'affranchir des lois produites par la royauté elle-même, et certainement pas du droit. Les lois du roi n'étant qu'une partie, et une partie mineure de l'ensemble considérable que sont les normes juridiques à l'œuvre dans les tribunaux de ces sociétés. Donc, pas de monopole du droit, de production du droit, et pas de possibilité de comprendre le fonctionnement interne et même extérieur de ces ensembles sous les espèces typiquement révolutionnaires de l'unité et de l'indivisibilité. Pas d'unité et d'indivisibilité, pas de monopole du droit. Et donc, quelque chose comme la porte ouverte à penser, en effet, les monarchies d'Ancien Régime sur le mode de la confédération, l'arrangement, le bricolage d'entités politiques, juridictionnelles, de formes d'autorité qui se combinent les unes avec les autres, peuvent se reconnaître des symboles communs, par exemple le magistère royal est un symbole commun reconnu, mais néanmoins pas de structure unitaire, ni dans la forme, ni dans les institutions, ni dans les pratiques. Parmi les modèles alternatifs qui pouvaient s'offrir à la pensée, une fois le modèle de l'État moderne fortement critiqué, eh bien, il y avait les empires. Pourquoi les empires ? Eh bien, parce que, précisément, la structure impériale, qu'il s'agisse de monarchie composite, selon le terme bien connu qu'a fait circuler John Eliot dans la scénographie il y a une trentaine d'années, c'est-à-dire le fait que, sous un même monarque, des territoires dotés de législations, de lois différentes, de privilèges particuliers, de statuts particuliers, pouvaient reconnaître un même monarque, ou dit d'autre manière, la même personne pouvait voir se superposer sur sa tête plusieurs couronnes qui ne se confondaient pas les unes avec les autres. Et en même temps, quand je dis l'Empire comme modèle alternatif, c'est aussi bien entendu, puisque nous pensons en particulier, mais pas exclusivement, des monarchies ibériques, évidemment les structures coloniales qui offraient une forme d'extension et d'amplification de cette logique de juxtaposition de territoires au statut différent et qui n'avait pas vocation, en tout cas pas immédiatement, à être homogénéisé. Donc on partait de là, et là vous voyez bien que la proposition de faire entrer l'Espagne et le Portugal dans cette histoire des républiques européennes, fait parfaitement sens. Deuxième élément qui se reflète très très bien dans le livre, c'est que, au fond, d'une part, comme je viens de le dire, ce qui nous est montré, c'est que les pays à monarchie ou les sociétés monarchiques ont été bien plus urbaines dans leur structure qu'on ne pouvait le penser. Et c'est vrai qu'il y a quand même un paradoxe extraordinaire à ne voir de la Castille que le caractère auto-centré de la figure royale, comme si on n'avait pas affaire avec, je dis bien, la Castille,
à l'un des espaces les plus urbanisés d'Europe, les 16e et 17e siècles. Donc, en finir en quelque sorte avec une sorte de contradiction qui serait, il faut choisir où on a une société urbaine, c'est-à-dire avancer, évoluer, etc., etc., où on a une société monarchique, fondamentalement agraire, mais les deux ensemble, ça ne marche pas. Donc ça, on voit bien que ce que vous faites dépasse complètement cette alternative. Mais d'un autre côté, je dirais que je pense que c'est extraordinairement important, c'est que ce que vous montrez, c'est que les sociétés républicaines, au sens des villes-États, pour aller vite, étaient en réalité bien plus corporatives que ce que le discours en vogue dans les pays anglophones ou néo-anglophones des 40 ou 50 dernières années veut bien nous raconter. C'est-à-dire que, bien sûr, on peut toujours avancer, et ça n'est pas faux, que la première bourse des valeurs modernes, entre guillemets, elle se met en place non pas à Séville, mais à Amsterdam, soit, et que la bourse de Londres est un établissement qui n'a pas d'équivalent dans d'autres parties de l'Europe. C'est tout à fait exact. Mais il n'empêche, et ça c'est très très bien montré dans le livre et par d'autres historiens, par le biais de l'histoire économique, les grands succès commerciaux de ces structures qui ont connu l'embarras des richesses, ces grands succès reposent sur des systèmes qui sont radicalement corporatifs et qui sont organisés en système de privilèges et de monopoles. Et certainement pas sous les espèces du libre marché. Donc, de ce point de vue-là aussi, je pense que le livre est très important. Et puis, en consonance avec ce que je viens de dire, et en poursuivant sur cet aspect-là, je crois qu'il y a donc quelque chose qui est très très important, c'est qu'il est très clairement montré que l'histoire de l'Europe n'a pas été conduite, dictée par une alternative, ou un dilemme si vous voulez, il fallait choisir entre le capitalisme et le corporatisme. C'est même exactement le contraire. C'est-à-dire que c'est dans les structures corporatistes les plus traditionnelles que les mécanismes marchands se mettent en place. Et j'irai même un petit peu plus loin. Dans l'historiographie nord-américaine et latino-américaine actuelle, qui se penche sur une très vieille thématique qui remonte pratiquement à la guerre civile américaine, qui consiste à opposer la modernité de la grande usine métallurgique ou sidérurgique Yankee par opposition au système de la plantation quasiment féodale du Sud. Autrement dit, l'idée selon laquelle dans les Amériques, là encore, il existe une alternative entre soit le capitalisme, soit l'esclavagisme. Les recherches les plus récentes, par exemple, sur l'île de Cuba, vingtaine d'années, vont exactement en sens contraire. Cuba devient une grande île esclavagiste au 19e siècle. Et ceux qui conduisent le commerce des esclaves de Cuba sont également les mêmes acteurs qui introduisent le moulin à sucre à vapeur. Il n'y a aucune contradiction. Ça, c'est une vision, autrefois, qui est l'enfant de la guerre civile américaine. C'est la manière dont la guerre civile américaine, nord-américaine, s'est mise en scène, qui a produit ce cadre d'analyse qui est aujourd'hui très largement critiqué. Un dernier point, avant de conclure, que je voudrais souligner, c'est que, puisque tu es le maître d'œuvre de cet ouvrage, que c'est toi qui as constitué le groupe des chercheurs qui ont été invités, je voudrais dire quelques mots de ce qu'on a l'habitude d'appeler pompeusement entre nous une géopolitique savante. Alors, bien sûr, on retrouve ici ta géographie personnelle, c'est-à-dire des gens qui travaillent sur l'Italie et des gens qui travaillent sur les Pays-Bas et dans les Pays-Bas, puisque ce sont les deux domaines qui sont les tiens à partir de la monarchie hispanique. Mais en gros, nous avons, chacun à sa génération, été habitué à une géopolitique des études sur la monarchie hispanique, dans laquelle, sans rivalité excessive avec les vrais, et plutôt en composition harmonieuse, existait l'hispanisme français. Diana a fait allusion à l'édition de Bataillon, l'hispanisme français, l'hispanisme de langue anglaise, qui a en gros migré de la Grande-Bretagne aux États-Unis, et puis qui
et puis qui s'est un petit peu essoufflé par faute de renouvellement ces dernières années. Je rappelle juste pour mémoire, vous avez trouvé que c'est de la cuisine intérieure, mais le grand historien de l'Espagne, de l'université d'Oxford, qui est parti à la retraite il y a 6 ou 7 ans, John Eliot, vient enfin d'être remplacé au bout de 7 ans par un collègue que nous aimons très tendrement, et tous les trois, qui est Pepe Malcochi, professeur à l'université d'Étrurie, autrement dit, pour arriver à trouver quelqu'un qui puisse enseigner l'histoire de l'Espagne à Oxford, on va chercher un Italien. Ce qui me semble très bien pour l'université d'Oxford, mais on dit très long sur le fait que quelque chose s'est cassé du côté de l'hispanisme de langue anglaise. Il y avait aussi, et ça tu connaissais mieux que personne, tous nos amis et collègues italiens, plutôt du sud de la péninsule, qui pour des raisons évidentes, parce qu'ils sont napolitains, parce qu'ils sont sardes, parce qu'ils sont siciliens, sont aussi des historiens de l'Espagne depuis des siècles. Ce que je trouve formidable dans le livre, c'est que tu apportes quelque chose que nous connaissons, et que nous connaissons mal pour des raisons de barrières linguistiques, c'est-à-dire nos collègues allemands, ou de langue allemande. La présence de collègues de Mainz, de Vienne, dans le cas de Meissen, Suisse alémanique, enfin, qui est, vous savez, le directeur de l'Institut historique allemand de Paris, la présence de l'historiographie, donc Vienne aussi je l'ai cité, la présence de l'historiographie allemande, au moment même où, par exemple, les éditions Verwerth font un effort énorme pour traduire en espagnol les livres d'historiographie allemande portant sur l'Amérique latine ou sur l'Espagne, etc., me paraît être une très bonne nouvelle qu'apporte aussi ce livre, et une complexification de la géographie des études sur les domaines que vous avez choisi d'étudier, et je pense qu'on peut t'en féliciter. Alors, un mot de conclusion. Tout ce que fait cet ouvrage, que tu as tenu, on le sent, que tu as tenu dans tous ces chapitres, c'est ce que d'ailleurs tu annonces dans ton introduction, c'est-à-dire, selon le terme qui peut paraître évidemment un peu pédant, la critique du biais téléologique. Alors, pour ceux qui sont moins familiers de cette expression, ça veut dire la critique par excellence que doivent faire les historiens, qui consiste à essayer d'éviter d'interpréter ce qui s'est passé il y a longtemps par ce que nous savons que le monde est devenu par la suite. Donc, ne pas intervertir l'ordre des causalités. Et je pense qu'en critiquant le biais téléologique, tu redonnes à la monarchie hispanique, à la monarchie portugaise, toutes leurs lettres de noblesse dans la pensée sur la République, dans la capacité à être présente au premier plan de la civilisation urbaine européenne et la civilisation urbaine des Amériques, au premier plan. Car Mexico est une ville infiniment plus importante que Boston et Philadelphie réunies pendant, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Il faut, voilà, c'est des choses très simples à dire. Hein. Je ne parle pas de Naples, pour lequel on pourrait dire tout à fait exactement la même chose, de Séville et ainsi de suite. Donc, il y a une remise des compteurs, à mon avis, du curseur au bon endroit. Il y a le refus à la fois de la théologie de la nécessaire décadence de l'Espagne et le refus de la téléologie de la nécessaire victoire de l'Angleterre. Il y a des choses simplement. Plutôt, le nécessaire échec des Hispanos et le nécessaire triomphe des Anglais. Donc, tu ne te laisses pas dicter par ce que nous savons qu'il en est advenu, et tu remets le curseur là où on ne savait pas que c'est cela qui se produirait. Mais ceci étant dit, c'est quand même ça qui s'est produit. Et je pense que comme historien, nous ne pouvons pas ne pas tenir compte, alors non pas pour critiquer la critique, je pense que tu as parfaitement raison, mais je reste, c'est une opinion qui sort peut-être du débat historique pour être peut-être une opinion plus civique ou citoyenne, que l'articulation entre le défaut, le déficit d'esprit civique, le déficit de productivité économique et le déficit d'innovation scientifique sont des phénomènes qui s'articulent l'un à l'autre, qui s'alimentent l'un par l'autre, et qui sont de facto pour nous aujourd'hui
et depuis peut-être 200 ans, 150 ans, je ne sais pas, plutôt des phénomènes du sud de l'Europe et des phénomènes du sud des Amériques que des phénomènes du nord de l'Europe et des phénomènes du nord des Amériques. Et donc, ce n'est pas pour, juste pour être désagréable en fin de discours, je pense qu'il faut absolument, absolument, je suis entièrement d'accord avec toi, ne pas refaire l'histoire à l'envers, mais on peut quand même garder en tête, malgré tout, pour ne pas, au fond, faire ce qu'on pourrait appeler de Hispanic Pride aujourd'hui, faire comme si il n'y avait pas eu, dans la phase contemporaine, de véritables progrès. On fait quelques petits commentaires, peut-être c'est mieux que vous parliez ou que vous faites des questions. Simplement, deux choses pour moi très agréables de nous avoir écoutés. J'ai vu que vous avez bien compris le livre, au moins ce que je voulais dire, l'idée de notre groupe de recherche. Mais tout de même, c'est un peu une question essentielle pour Bernard Vincent, et pour maintenant à la fin, tu disais la façon d'analyser la monarchie hispanique, c'est parce que peut-être on pense que ce n'est pas simplement une monarchie hispanique, ce qu'on essaye, et c'est essentiel pour nous, c'est de dénationaliser cette structure politique et n'était pas hispanique. Madrid, elle était la capitale, mais ce n'était pas hispanique. Naples et le Mexique étaient beaucoup plus grands que Madrid et beaucoup plus actifs. Et c'est une histoire qui doit se comprendre dans une structure assez globale, surtout d'une perspective européenne. Je crois que c'est la façon de faire l'histoire de l'Europe. Et c'est à cause de ça que j'ai pris en compte des historiens qui n'avaient jamais réfléchi sur le cas de l'Espagne. Je pense qu'il y a très peu des Allemands, peut-être aussi, qui étudient le monde américain. Thomas Mann n'avait jamais réfléchi sur ce cas. Pour lui, c'était ce paradigme de la monarchie hispanique qui était le premier pas avant l'absolutisme français. C'est une chose très claire. C'est une chose qu'ils opéraient comme ça. Et réfléchir et discuter avec eux, ça a été une chose très bien, parce que je crois que comprendre la monarchie hispanique à travers les yeux d'un Allemand qui a des structures du Saint-Empire complètement désagrégées, et ces structures polycentriques avec des républiques, des monarchies à l'intérieur de cette structure très étrange, c'est une perspective qui nous fait vraiment arriver à comprendre plutôt mieux comment ça fonctionne, cette structure politique. Et c'était ce dialogue que je croyais que c'était un peu dénaturalisé de la part des hispanistes, pas négativement, tout simplement parce qu'ils voulaient, disons, un peu exalter, analyser cette histoire d'Espagne qui n'avait qu'une version ou franquiste ou traditionnaliste, et alors ils sont venus pour nous réfléchir et pour nous ouvrir l'esprit. Mais c'est vrai que maintenant, l'Europe, les gens, on bouge, on est en contact, on fait des modèles d'historiographie qui revalorisent une chose aussi très importante pour comprendre l'histoire de l'Europe, vous connaissez ça, cette espèce de l'analyse de la construction de l'État à partir du local. Donc on comprend beaucoup de l'histoire de l'Europe, de la façon dans laquelle l'Europe fonctionne actuellement, de la façon dans laquelle l'Europe n'est pas simplement une espèce de n'a pas besoin de tenir un État centralisé complet. Peut-être la capacité, la plasticité, la capacité de fonctionnement de cette structure politique qui est très productive et qui n'est pas négative, parce que simplement elle ne s'adéquipe pas à cette espèce de parallélisme État-souveraineté. Peut-être non, il y a beaucoup d'autres façons. Si on fait un regard en arrière, on voit des structures comme l'anarchie hispanique qui étaient hégémoniques pendant deux siècles et qui n'opéraient pas de cette façon et qui opéraient justement dans un contre-sud du local. C'était dans le local où les gens naturalisaient les populations, c'était dans le local où se construisait le consensus. C'était une structure politique très grande, un empire, d'accord, peut-être, l'Europe aujourd'hui, c'est un empire aussi, mais c'est un empire qui n'est pas un État centralisé. Il y a beaucoup d'autres façons de se construire qui n'est pas un État centralisé. Et la réflexion justement sur du local et après justement des perspectives complètement différentes des gens qui n'ont jamais réfléchi de cette façon à la monarchie et qui ont arrivé à comprendre que peut-être oui, il y avait des villes, il y avait des républiques à l'intérieur, c'est peut-être le dialogue que vous poursuivez. Alors c'est bien. Bon. Je ne sais pas si vous voulez demander des choses, parce qu'on a parlé beaucoup de temps. Non, mais on ne sait pas. Peut-être justement, ce que tu dis, que l'Europe peut fonctionner comme ça, de cette façon un peu décentralisée, comment la France, comment peut-elle un pays si centralisé, presque une monarchie, on a eu l'occasion de vous voir ces jours-ci, et hier, avec la réception du bizarre, comment la France peut s'adapter à cette. Le problème de la France, de pouvoir faire partie d'un ensemble coordonné en Europe, c'est pas,
ce n'est pas les symboles, comme ceux que le président de la République affectionne entre nous à Versailles. C'est la question de comment est-ce qu'on arrive à concevoir un ensemble politique dans lequel l'une des composantes dispose du feu nucléaire. C'est ça le seul vrai problème. Un feu nucléaire qu'elle ne peut pas mettre en commun. Et depuis la fin de la 4ème République, il n'y a pas de réponse à cette question. Oui, mais peut-être il pourrait s'articuler une structure dans laquelle peut-être la France pourrait être une nation nucléaire à l'intérieur d'une structure politique qui doit faire très l'État, d'accord, avec un monopole de la guerre dans ce domaine, mais qui pourrait, par exemple. Mais c'est ça, il y a une versatilité très forte dans laquelle on pourrait réfléchir. C'est vrai que c'est paradoxal que, par exemple, la France est vraiment une espèce de république qui est une monarchie, l'Espagne qui est une monarchie, mais pas du tout une monarchie. Et quand il y a une république complètement fragmentée où le roi n'est rien, c'est peut-être cette question que tu peux comprendre pour une structure politique comme l'espagnole avec ce problème de nationalité, de nationalisme, c'est parce que peut-être que la meilleure façon serait s'intégrer dans une structure majeure pour être peut-être la monarchie. Dans le cas de la France, c'est un processus peut-être de régionalisation, de renforcement. Un peu de Paris, de renforcement des localités périphériques, très difficile, pour être une autre chose, je ne sais pas. Mais avec quoi ? Avec des régions européennes, tout ça, ça pourrait peut-être, à la fin, on commence à voir, il y a des noyaux qui surgissent en France, je ne sais pas. Je crois que ce n'est pas le rôle des historiens de faire cette chose, surtout sur l'analyse du passé. C'est simplement tout le contraire. Ce que j'essaye, c'est de ne pas projeter dans le passé. C'est très difficile, c'est impossible. Je dois essayer d'être le plus scientifique possible pour ne pas utiliser des références comme la nation, comme beaucoup d'États où il est maintenant, pour comprendre un passé qui n'était pas du tout comme ça. Moi, je crois qu'en réfléchissant plus ou moins à ce genre de structure, à l'existence de beaucoup de façons de construire l'État, notre projet actuel, c'est justement ça. C'est que analyser, pas simplement monarchie république, absolue par l'intérêt, mais surtout modèle de souveraineté fragmentée, modèle de souveraineté plus cohésionné. Voir qu'il y a eu toujours une espèce de dialogue permanent. Et connaître comment ça s'est organisé dans le passé. Qu'il y a eu des expériences qui étaient vraiment inviables. Même hégémonique et qui fonctionnait très bien et qui était capable d'articuler, de respecter le local en même temps d'être très violent. Il ne faut pas exagérer, maintenant on a récemment fait un congrès justement sur les révoltes, les séditions, pour analyser qu'il n'y avait pas ce consensus, espèce d'harmonie parfaite. Non, il faut analyser ce conflit. Mais cette structure tellement complexe, qui fonctionnait tellement bien, pas tellement bien, qui fonctionnait et qui était vraiment efficace. Ça construit une narrative qui n'a rien à voir avec ce qu'on nous a expliqué à l'école, c'est que les politiciens continuent à utiliser d'une façon permanente. Et cette espèce de perspective peut-être peut aider à comprendre que l'Europe peut être un succès s'il n'essaye pas de devenir un État-nation. C'est des questions comme ça, ça peut nous aider. Pas simplement dire, je vais appliquer le modèle de la monarchie espagnole, je ne tape pas avec l'Inquisition et tout ça, c'est horrible. C'est pas du tout ça. C'était leur période, c'était la façon. Mais les structures et la façon de mettre ensemble beaucoup de cultures qui respectaient la façon de s'organiser, le rôle essentiel des villes, je crois que c'est une réflexion très importante dans les processus de globalisation actuels. Comment le global est très bien articulé à partir du local et comment dans ce genre les villes et les réseaux, les différents réseaux qui articulent ces structures, parce que cette monarchie n'était pas simplement articulée par des réseaux d'enfants, comme les Génois ou les Hollandais, qui avec ses bateaux et ses finances aidaient à transporter tout. Il y avait aussi des réseaux aristocratiques, il y avait des réseaux des démocrates, il y avait des réseaux des religieux, il y avait des différents réseaux avec des différentes géographies, avec des différentes temporalités. En plus, c'est le déclin qui s'était là. Le déclin ici, pas au Mexique, pas dans, c'était un endroit où il y avait des territoires qui entraient en déclin, d'autres qui ne rentraient pas. Alors, ce genre de structure, c'est plus versatile et flexible, ont beaucoup à voir avec des processus que maintenant se mettent en place. Et
le rôle des corporations aussi, beaucoup de choses qui sont très importantes aujourd'hui. Et en analysant la période moderne, en lisant un peu les histoires de la période moderne, par en essayant d'apporter ces modèles qui représentent, peut être une bonne chose de lire l'histoire. Ça, oui. C'est simplement ça. La grande question, en quelque sorte, c'est que l'on peut se poser, c'est qui nous rentre, c'est comment une monarchie composite, polycentrique, comme la monarchie hispanique, a pu elle tenir pendant 3 siècles. C'est ce qui est mal. Enfin, que seront la monarchie espagnole et la République française dans 3 siècles? Donc, elle a tenu pendant 3 siècles, et donc on cherche à essayer de comprendre quels ont été les mécanismes qui ont permis ainsi de, non pas de survivre, mais vraiment de fonctionner d'une façon à peu près satisfaisante. Et pour répondre à ce que tu disais sur le théologique, Jean-Frédéric, et comment ça s'est effondré, et pourquoi? Tout simplement. Poser la question du déclin depuis le début. Oui, exactement. Il y a eu une période que c'est une structure politique née au déclin. Depuis le début. C'est la construction en place, on le sait ça. Justement, je voulais revenir sur la question de la théologie, parce que vous avez dit une chose qui m'a un peu surpris. Vous avez dit l'ouvrage n'est pas théologique, théologique, parce que la trouve évidemment, comme fait tout le monde aujourd'hui, je pense, mais. Et vous avez rajouté, pourtant, finalement, ça, donc l'Espagne, en tout cas, finalement, ça s'est passé comme ça, vous avez un peu l'air de dire que c'était prévisible. Non, c'est pas du tout. Non, je ne sais pas. Simplement, je ne voudrais pas, je veux dire de manière très claire, je ne voudrais pas que l'effort intellectuel et scientifique qui est conduit par l'équipe et à dire, nous sommes partis prenants tous les trois de ce mouvement, en fait, qui consiste à ne pas partir de. On constate que le monde hispano a moins été performant sur tout un ensemble de critères qui nous viennent à l'esprit immédiatement que le monde anglo. Pour prendre cette rivalité-là, il pourrait y avoir d'autres rivalités ou d'autres comparaisons, à l'époque contemporaine. Donc l'idée, c'est, voilà, on ne part pas de là pour analyser ce qui se passe au 16e, 17e, ou même au 18e. Bon, de là, tu en es d'accord. Et ça, c'est, disons, dans le secret du cabinet, de la tour d'ivoire, de la recherche en histoire, etc. Il ne faudrait pas, à mon avis, que cet effort-là ait une traduction dans le débat général, dans le débat ordinaire, commun, politique, etc., etc., qui consiste à dire non, il n'est pas vrai que les performances du monde hispano sont sensiblement moindres que celles du monde anglo. Dans ce que nous constatons depuis l'époque contemporaine. C'est-à-dire, autrement dit, il ne faudrait pas, à l'inverse, partir de ce que des gens comme Manuel font, pour gommer les difficultés qui sont constatées aujourd'hui. C'est ça que je veux dire. On peut expliquer. Mille et une manières, je sais pas moi, le fait que les États-Unis d'Amérique ont conquis 46% du territoire de l'Empire du Mexique en 1840 et que cette blessure, cette espèce de traumatisme est toujours vivant dans le tissu de ce continent, etc., etc. Bon, on peut tout expliquer, mais les performances des États-Unis en tant que puissance militaire, politique, économique, scientifique, culturelle, d'entertainment, etc., etc. Sont des performances qu'on les trouve antipathiques, sympathiques, ou plus espèces d'importance, mais qui sont objectivables. Et qui sont comparables. Voilà, et qu'on peut comparer. Alors que, comme je l'ai dit, en 1750, en 1770, Mexico est une ville beaucoup, beaucoup plus importante que Boston ou Philadelphie. Bon, 150 ans plus tard, c'est pas vrai. Voilà, c'est tout. Et j'ai pas la clé, mais je voudrais pas que. Du mouvement, à mon avis, parfaitement juste et exact de Manuel, en tirer la conclusion qu'il faudrait, au fond, ne pas se poser la question de savoir pourquoi, ne
pas aborder ou ne pas affronter le fait qu'il y a des choses qui clochent à l'époque contemporaine dans des pays qui, trois siècles auparavant, performaient. Mais c'est ça que je voulais dire. Hein, mais... Oui, très rapidement, Manuel, et c'est un peu au fil de la réponse du workshop. C'est une question ouverte. Est-ce que vous avez pensé à une traduction en anglais? Et si au-delà du cercle que je pense que avec qui tu as travaillé, avec Anna Herzog, etc., si au-delà de ces cercles, il y a des gens qui sont en train de les réfléchir, quelle est ta perception de la réception d'un livre comme ça dans le monde anglais? Et la deuxième question, très rapidement, l'intégration, et je profite justement parce qu'il y a la présence de Jean Fred et de Romain Vincent, qui sont des spécialistes sur ce sujet, la question du Portugal, l'intégration du Portugal dans la monarchie ibérique, au-delà de dire ça ajoute de la complexité, est-ce que c'est un chantier de réflexion d'organisation politique, quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on revoit justement par rapport à ce qui existait auparavant? Non, paradoxalement, ce n'est pas sur le Portugal que je dois te répondre, Léo. C'est quand tu poses la question de savoir si ce livre peut être traduit en anglais, et la réception de Noël du côté de l'université nord-américaine. Mon sentiment à voir la production actuelle, c'est que les latino-américanismes nord-américains sont les premiers à penser que des villes comme Mexico, comme Lima, comme Cusco, sont des villes, sont des lieux absolument fondamentaux et à ne pas avoir de regard téléologique sur le nécessaire triomphe anglo-protestant par un mouvement romain hispano-catholique. Chez les latino-américanistes nord-américains dans la grande majorité. En revanche, ce qui est absolument effrayant dans le paysage intellectuel nord-américain actuel, c'est que l'Espagne n'existe pas. Ça n'existe pas, c'est rien du tout. C'est devenu rien du tout. Et c'est vraiment quelque chose de totalement catastrophique. L'Amérique existe un peu. L'Amérique hispanique. C'est ce que j'ai dit, existe. Oui, non. Pour les latino-américains et les nord-américains, ils sont parfaitement prêts à entendre ce que contient cet ouvrage. Parce que le regard qu'ils portent sur l'Amérique latine est un regard extraordinairement, on dit aujourd'hui, inclusif. Mais. La façon dont l'université américaine tourne le dos à l'histoire européenne en général, à l'histoire espagnole en particulier, est quelque chose d'absolument vertigineux. Je rappelle simplement, j'indique simplement que dans le système de distribution des thèmes qui se traduit par le recrutement des professeurs dans les universités américaines, une place de plus en plus grande a été accordée, et c'est tout à fait légitime, à l'histoire médiévale de la Chine, à l'histoire contemporaine de l'Inde. Il y a toutes sortes de sujets qui sont des sujets absolument majeurs de l'histoire. Mais il ne faut jamais oublier que l'ouverture de ces postes de professeurs se sont toutes faites au détriment des enseignements sur l'histoire de l'Europe et jamais au détriment des enseignements sur l'histoire des États-Unis. C'est-à-dire que le domaine de l'histoire des États-Unis aux États-Unis a su conserver ses constituants forteresses et a su conserver la totalité de sa puissance de feu, professionnel. La partie du paysage qui a dû se sacrifier ou qui a été sacrifiée en son corps défendant au profit de l'histoire des autres régions du monde, c'est l'histoire européenne. Donc, l'histoire européenne est en train de se réduire comme une peau de chagrin dans les départements d'histoire aux États-Unis, et je répète, tandis que l'histoire états-unienne des États-Unis, elle, se porte comme un charme et on ne sacrifie pas le quart de la moitié d'un demi-poste pour en faire autre chose. Voilà. Non, mais c'est America First, mais China Too, India Too, mais l'Europe, non. Conclusion, les possibilités de traduction sont c'est une chose que vous savez, voilà. C'est très facile parce qu'il y a plus de la moitié des textes qui étaient originellement en anglais ou en français qui ont été traduits en espagnol, donc ça ne serait pas un travail très compliqué. Mais tout de même,
Bon, d'autant plus que la politique de traduction est extrêmement limitée. De là, j'ai besoin de l'Europe, de plus d'Europe. Moi, je serais intéressé de savoir si tu fais une différence entre la monarchie espagnole que tu vas voir et le modèle, enfin, peut-être le modèle, tout simplement tout romain germanique, parce que c'est quelque chose qui est relativement similaire. Je ne pense pas qu'ils soient similaires. Bon, dans une période, ils ont formé partie de la même espèce politique avec Charles Quint. Simplement, alors, c'était tellement compliqué que donc, ils ont décidé de la séparer. Non, pas toutes les parties. Ils ont reste après les Pays-Bas à l'intérieur de la monarchie hispanique, de la monarchie catholique, ce serait plus correct de le dire, parce qu'ils n'ont pas simplement hispanique. Mais l'intérêt que je crois que c'est l'univers du local très fort. La façon où est organisé le Saint-Empire, c'est territoires, pas tous, des territoires très densément urbanisés, des territoires où il y avait différents modèles de souveraineté à l'intérieur de la même structure, des territoires qui étaient en contact très près avec les structures politiques de la monarchie, Milan, les Pays-Bas, c'était suzerain de l'empereur, il y avait des liens, des façons de s'organiser, de comprendre la réalité politique, le même discours mental qui était, si tu penses à Toulouse, c'est un Hollandais, mais qui est maintenant le signe d'un côté M, d'un de ville qui qui est impérial, qui lui résonne complètement de la même façon que résonnent les gens de l'école de Salamanca. Il cite tout le temps Marque de Menchaca, Mariana. Donc c'est la façon dont il voit la capacité. C'est dans l'introduction de Giovanni Levi, je crois que c'est très courte, mais c'est très intéressant. Il parle de ces structures politiques qui partent d'un concept de libéral arbitrio, de l'organisation particulière de chacune des communautés. Chaque communauté doit s'organiser particulièrement. Et cette façon de s'organiser permet que la consociation, l'existence de différentes corporations, de différentes façons qui ne sont pas du tout étatiques dans ce sens. Et dans ce sens, je crois que peut-être pas tellement pour la Castille, mais même pour la Castille, c'est comme ça. Pour les autres territoires, il y a un dialogue qui doit se faire au-delà des liens dynastiques entre la maison d'Habsbourg. C'est la seule chose qu'on a étudiée d'une façon très forte, hein, les liens entre les différentes maisons. Il y avait d'autres choses. Et d'autres modèles qui circulaient très fortement à l'intérieur de ces structures. Ça, je pense. Ouais, et c'est le moment de prendre peut-être un pot. Thank you.